Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers abonnés? Il y a ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec notre grand artiste solo coréenne, j'ai nommé Seumni. Le 8 octobre, oui, j'avais envie de dire septembre, je sais pas pourquoi, mais non, c'est bien le 8 octobre, on nous a tout simplement annoncé qu'elle allait nous sortir un single spécial du nom de Go Stop, et aujourd'hui, ce matin, tout simplement, le MV est sorti pour ce nouveau single, et je peux vous dire que j'ai très 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 hâte d'écouter ce nouveau morceau, surtout que j'aime beaucoup beaucoup cet artiste. Et c'est parti, donc je vais découvrir ce nouveau single maintenant. Go go go! Go! Stop! Je peux aller en boîte carrément avec ce genre de son. Oh! Ah, les canons! Waouh, les lunettes! Oh! C'est très spécial ça! On dirait vraiment un monde futuriste avec beaucoup de technologie et tout. J'aime beaucoup ce dégradé de rose, mauve, c'est très joli pastel. Oh ouais. Ah, il est trop canon, ses ongles et tout. Enfin, c'est des gants, mais c'est super joli. C'est vraiment avec un... Oh, ces ongles, ce canon, je les mets. On a l'impression que c'est l'arrière du tournage et tout, mais c'est très futuriste à la fois. Mais avec toutes ces vieilles télé, t'as un côté rétro vintage. Ça, j'adore. On dirait qu'elle est carrément dans les rouages du truc, en fait. Dommage qu'elle a pas dansé avec eux. Wow. Oh, très belle transition. On est transporté dans... un univers parallèle, technologie. Pourquoi elle serre les pendants comme ça? Oh, très beau. Ah, enfin elle danse. Toutes ces tenues sont canon. C'est très techno, mais t'as quand même ce côté un peu rétro, je trouve. Hein. Oh, comme si c'était la queen avec cette couronne. Avec cette couronne que je raconte, avec ce trophée. Quoi, c'est déjà fini? C'est déjà fini. C'est clair que c'est complètement différent de son précédent son. Franchement, j'ai hâte de la retrouver dans ses futurs projets parce qu'à chaque fois, elle nous transporte dans un univers différent. Bien à elle, évidemment, mais j'aime énormément. J'ai beaucoup aimé ce côté, mais futuriste et très technologique. Techno de la chanson, mais vous avez quand même cette pointe de rétro, je trouve. Elle est magnifique jusqu'au bout des ongles. La chanson, il y a beaucoup d'utilisation d'anglais, mais ça me dérange pas. Elle est juste sublime. Ses cheveux rose pastel se dégradaient de mauve, c'était magnifique. Et j'aime beaucoup aussi quand on la voit carrément comme si elle était dans une porte coincée, comme une poupée, mais on dirait que c'était vraiment les rouages de... elle était dans les rouages de la technologie tout simplement. Vraiment ce côté très virtuel, jeu. Tous les ingrédients étaient là pour avoir un esthétique très très bien fait. La chanson allait très bien avec. Je trouve dommage qu'on l'a pas vu tant danser que ça, mais juste vers la fin. Mais bon, c'est juste un petit point comme ça, c'est pas non plus hein. Mais Seumni, elle est juste the queen les gars, tout simplement. Vous voulez que je dise quoi de plus? Je pense que vous l'avez compris et j'ai adoré encore une fois.
Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié ce single, même si la chanson était assez courte. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout prenez soin de vous et de votre famille, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, sayonara. Bali, Bali, feel it.